Charles Lane. Yo, what up, est-ce tout le monde? Bienvenue au iPod Podcast. Pre-record, les chums. Pre-record. En direct de Vancouver, tabarnak, man. La plus belle ville sur la planète. Comment allez-vous? Nous sommes avec Sainte-Victoire, le seul unique. Est-ce qui a fait le voyage, man? Chris, what's up, Greg, man? Yes, what's up? What's up? Comment t'apprécies la ville, mon gars? Comment t'apprécies ton voyage à Vancouver, man? Qui sait, à sa fin, Chris, malheureusement, man. Ouais, ben là, c'est ça, on arrive, on est là, on repart à la maison demain. C'était le fun, man. C'était vraiment le fun. C'est vraiment une belle ville. Je pense qu'honnêtement, tu sais, entre Toronto, Montréal et Vancouver, c'est vraiment la plus belle ville. Il y a un dark side, si on peut dire ça comme ça, là. Faber, il est allé montrer Zombieland. Quand que je parle de Zombieland, je parle du East Side Downtown. On a marché Vancouver à peu près 3-4 fois. Donc, on a marché 50-60 km esti en 3-4 jours. On a fait le tour de Stanley Park. Non, c'est écœurant. On a jasé à plein de monde. Il y a un dude qui vient de Pollard écouter l'UFC avec nous autres. Vous avez vu ça hier sur le live. Fait que, non, man, c'est ça coche. Puis, je vais revenir encore, Lys. Tu sais, on a la chance, on est logé, là, tu sais. Ça change le tout, là. Fait que, non, c'est vraiment écœurant. Tu comprends pourquoi j'arrête pas de te parler de Vancouver depuis. Effectivement. Là, ouais, là, je comprends. Là, je comprends très bien. Je pourrais venir une à deux fois par année, là. Tu sais, chiller, là, c'est vraiment nice. Puis okay, chiller, ouais, ouais. Chiller. Définitivement, le gros, la chillade est au rendez-vous. On a même fait du moche, les gars, man. On a même fait du moche, man. Puis écoute, moi, les chums, vous le savez, esti, c'est comme mon... c'est ma drogue de choix une fois de temps en temps. Je fais du moche, man. C'est la seule affaire que je fais. Puis j'aime ça, esti, que j'aime ça, le gros. Faire ça, man. Ça me permet de me poser plein de questions à l'intérieur de moi, man. Je sais pas, j'aime juste ça, man. Puis gros, honnêtement... C'était la soirée parfaite pour moi. Puis, contrairement à l'inverse pour Greg, parle-nous un peu de ta soirée avant que je parle de la mienne. Je l'ai faite parce que j'avais dit à Faber que j'en ferais. Là. J'en ai pas pris tant, mais juste assez, tu sais, pour avoir une bonne ride. Puis, écoutez, les gars, moi, j'ai comme combattu un peu mon buzz. Puis j'ai passé... un peu, t'as combattu ton buzz en esti. J'ai passé deux... On était sur une beach, on a descendu jusqu'à la beach. Ça allait bien jusque-là. Puis là, il y avait un feu. Fait que je vais juste parler du feu. Puis ça intriguait pas mal Faber. Moi, je voulais rien savoir du feu. Faber est parti, puis moi, j'ai décidé de rester là. Puis je suis resté couché sur la beach à côté d'un tronc d'arbre qui faisait des bains, genre, pendant 2h15. Puis là, j'avais fret. Puis Chris, il y avait des crackheads, man. Puis genre, j'avais... j'ai vécu genre comme un SDF, là, comme un gars sans-abri. Tellement que le crackhead, il est venu me voir puis il m'a donné genre une couverte pour m'abrier, là, une couverte propre là, qui est ouverte dans un affaire. Il m'a dit « Ah, j'en ai besoin, mais t'as l'air d'en avoir besoin de plus. » Juste pour vous montrer comment ce monde-là sont, man, sont tout croches, là, mais ils ont un grand cœur. Fait qu'il m'a donné une couverte, ça a duré, man, 2h15. Pendant ce temps-là, que Faber faisait ses shit, qui va vous compter. Puis à un moment donné, ben là, j'étais écœuré, je m'en allais les rejoindre. Puis finalement, Faber, il veut me rejoindre. Puis en tout cas, ça, je vais vous laisser compter la suite. Mais j'ai vécu 2h15 de misère là, à essayer de me fermer les yeux, de me rouvrir les yeux, puis de me rendre compte que tabarnak, j'étais à 4000 km de chez nous. Là, c'est pas un rêve. Là. Je suis défoncé raide.
Puis à la fin, genre, j'ai commencé à accepter, j'étais buzzé, puis que tout allait redevenir normal, mais ça a été un esti de 2h15 là, à me poser des questions, man, puis à... En tout cas, tu sais, il y en a tout le temps un dans la gang qui bosse pas bien, puis ce soir-là, c'était moi. Je peux fumer le gros autant que je veux, mais ça, tu sais, je faisais genre ça tout le temps, je n'avais pas fait. Mais là, c'est fait, fait que je passe la... Le reste de l'histoire. Ouais, puis gros, au moins, tu sais, comme, t'as retiré quelque chose de ça, tu sais, au final. Ah oui, oui, c'est de l'expérience, là. Ouais, c'est bon, je veux juste finir là-dessus, tu me fais penser au point. Tu sais, j'étais à briller, les gars, là. Puis genre, j'avais fret aux cuisses, fait que là, je m'abriais les cuisses. Mais là, mes genoux étaient à découvert. Fait que là, j'avais fret aux genoux, là, je m'abriais les genoux. Là, je me couchais l'autre bord, man, du pilon parce qu'il commençait à vanter. Puis il faisait 10 degrés, là, puis j'avais fret. Fait que là, j'ai comme réalisé là, que j'étais content d'avoir, man, un toit, man, un matelas pour dormir. Parce que Chris, les sans-abri, man, puis les crackheads, man, ils dorment dehors. Là, puis là, il faisait 10 degrés. Fait que là, je pensais que ça, à Montréal, à moins 20 puis moins 25. Merci de m'avoir fait penser à ça. Ouais. Ouais. C'est juste, tu sais, pour montrer, c'est pas tout le monde qui bosse bien, puis tout, mais... Mais j'ai appris de toi en tabarnak. Ça va toujours t'amener, genre, quelque chose à réfléchir par rapport... C'est bon. C'est ça, moi, écoutez, c'est comme je vous dis, les boys, j'aime ça faire du moche. J'attendais cette soirée-là depuis longtemps. J'avais mon setup, je voulais aller faire du moche, puis aller sur le bord de la plage à Vancouver, le gros. Puis, man... D'un, le moche qu'on a commandé, il était violent. Okay? Il était excessivement violent. Puis j'en ai encore pris beaucoup parce que Greg ne voulait pas en faire beaucoup. J'ai peut-être donné comme... À l'œil, peut-être 2 grammes ou un peu en bas. Ben, puis on avait un 7. Fait que moi, j'ai bouffé le reste. Puis... Beaucoup de tête, les gars. Genre, il y avait beaucoup de tête dans le 3, dans un des 2-3,5, en effet, qui est celui que j'ai mangé au complet. Puis, honnêtement, je l'ai senti... On l'a fait en smoothies, puis je l'ai senti là, me rentrer dedans. Là, pis, t'sais, c'était vraiment un moche que, oui, tu étais buzzé, mais tu le sentais partout dans ton corps, man. C'est pas juste un buzz dans ta tête, genre, que il se passe bien des affaires. Je l'ai senti là, graduellement évoluer là, dans mon corps, man. Juste pendant notre marche à la plage, jusqu'à temps que, gros, quand on est arrivé à la plage, j'étais vraiment très, très, très buzzé, man. Puis, au début, je sais pas, j'avais comme... Je me demandais si mes émotions étaient positives ou négatives. Genre, j'étais pas sûr, man. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand le buzz, il rentre, des fois, ça devient comme... Je sais pas, c'est comme tellement un changement d'état que ça peut créer un peu d'anxiété pis tout. Mais là, comme Greg dit, il y avait un feu plus loin sur la plage. Puis j'étais vraiment intrigué par le feu. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, man. C'était qui était là, combien de gens... C'était-tu du monde gentil? C'était-tu du monde méchant? C'est qu'est-ce qu'il faisait? Bon, j'avais toutes les questions du monde par rapport à ça. Puis à un moment donné, je me dis, gros, tu sais, j'essaie de convaincre Greg d'y aller. Puis je voyais bien que ça ne tentait pas d'y aller partout. Puis j'étais genre, big, sorry, mais moi, il faut que j'aille voir. J'ai pas le choix. Fait que, bon, imaginez la scène. Vous autres, vous êtes à la plage à Vancouver. Là, vous faites un feu entre amis. Là, puis là, il y a un hostie de dude qui... Il y a des yeux de vache. Là. Le gars, il parle français. Mais genre, même quand j'étais sur la plage, tout seul avec Greg, j'avais de la misère à énoncer mes pensées en français. Fait qu'imagine quand j'étais arrivé là-bas, puis j'essayais d'énoncer mes pensées en anglais. Le gros, c'était difficile, là. Puis, man, le monde, il était genre... Là, j'ai dit, gros, je suis désolé, je veux pas déranger, man, mais je me demandais juste qu'est-ce qui se passait. J'ai vu un feu au loin, puis je suis comme quand même buzzé en ce moment. Puis j'avais besoin de savoir c'était quoi. Puis les gars étaient là, ah, ben, Chris, that's it, man, assis-toi avec nous, pas de stress, puis... Finalement, je m'assieds avec eux, le gros. Ils voulaient mettre de la musique sur mon sel. Je leur laisse mon sel, mon gars, mettre de la musique. On est là, on jase, pis tout. Pis... Honnêtement, c'est du monde vraiment à fin. Là. C'est juste genre une gang d'amis qui ont décidé d'aller faire un feu sur le bord de la plage après avoir... Pis, c'est le fun, c'est que la soirée est parfaite. Pis là, tout bout de champ, je pense à Greg qui est couché tout seul là. Là, je vais le voir, man, un moment donné. Je laisse mon sel là-bas, man. Là, tu veux pas amener ton sel? Je dis, oh non, non, c'est la musique. Si je vous fais confiance, les chums, il n'y a pas de stress. Va voir Greg. Là, je dis, Chris, viens donc. Non, man. Je dis, Chris, tant qu'à te battre contre ton boss, viens donc te battre contre ton boss. C'était cave, là. Ouais, mais j'ai fret. Je dis, gros, il y a un feu là-bas, là. Tu sais que j'étais cave. Il y a un feu, man. Nous autres, on est à l'entour du feu. Il n'y a personne qui a fret. On est bien. Et oh fuck that, nanana. Fait que là, c'est là que justement le crackhead est venu l'aider pas longtemps après, mais bref. Ça pour dire, je retourne là. Là, un moment donné, je sais pas, man, je sentais que dans ce moment-là, il y avait comme un changement qu'il fallait qu'il se produise. Fait que
genre, mettons, après 2 heures. En fait, le gros, on a pris le moche vers 10h30. Je devais littéralement, vu qu'il était tout égrené dans un smoothie, je devais littéralement être gelé à 10h45. Ben, big, on a descendu dans l'ascenseur parce qu'on est au 11e étage. Puis on a commencé à walk down parce que la beach est en bas. Puis 2 coins de rue plus tard, là, tu commençais déjà à te flatter. Ouais, c'est ça. Il devait être 10h45. Ouais. Fait que c'est comme vers minuit et demi, 1h du matin que là, j'étais genre, là, je sens qu'il faut que j'y aille puis tout. Fait que là, on s'en va, on revient à l'appartement qu'on est ici. Puis là, je suis en dedans puis je suis gros, man. Moi, je, tu sais, j'ai mangé genre 5-6 grammes. Ouais, c'est beaucoup, là. Je le file encore, là, moi. Puis Greg, il dit, ah non, moi, je le file plus, je suis plus buzzé par tout. Mais gros, il tient un discours de gars buzzé quand même, là. Ouais, je tweakais encore un peu, là. Puis, mais lui, il est comme, il dit, ah non, mais moi, je reste ça, puis tout. Puis, il dit, mais vas-y, le gros, sans Christ. Puis j'étais, ah, il faut que j'y aille en bas, man. Il faut que je le sache, esti. Qu'est-ce qui se passe en bas? Si je vais pas, man, je le saurais jamais. Je me suis pointé sur la rue, rue des bars, là, pas mal. La rue où ça se passe le soir, le Granville Street. Puis mon gars, j'ai juste chillé, là. Pendant deux heures de plus, à juste... Il parlait qu'une coupe de monde, mais tu sais, pas trop. J'ai passé beaucoup de temps juste à être là, puis regarder alentour de moi, puis me dire, ah si, c'est beau ici, j'ai du fun. Puis, ah si, je me sentais, au final, là, je me sentais bien, man. Je me sentais, tu sais, des fois, tu fais du moche, puis comme Greg, lui, la première affaire qui est venue en tête, c'est à quel point il est loin de chez eux, genre. Oh, ouais, moi, j'étais genre big. Ah si, que je suis bien ici, genre, je me sens à ma place dans l'univers. Précisément ici en ce moment. Ouais. À fucking Vancouver City, man. Ouais. Je me sens gros. Je sens que gros, si j'avais. C'est la place que je me sens, que j'avais besoin d'être en ce moment. Je me sentais à ma place, man. Même si Chris. Tu sais, en fait, à part Greg, ma cousine, puis Manny, je sais, il n'y a pas grand monde que je connais, là. Tu sais, pratiquement personne. Mais peut-être, je sais pas, je me sentais juste à ma place, puis ben, man. Honnêtement, autant pour Greg, la soirée, oui, il a tiré quelque chose de ça, mais c'était pas genre, c'était pas... Ah, oh, j'ai pas hâte d'en refaire, là. Non, c'est ça, il est pas genre, on va refaire du moche, puis tout. Moi, le gros, la soirée, pour moi, était... Ah oh, non, mais c'est pour ça parfaite, que... était parfaite, ça aurait pas pu être mieux, j'attendais ce moment-là. C'est pour ça que... Le gros, tu sais, quand tu penses à genre, Vancouver, puis le vibe de la place, puis le mood, c'est genre, faire du moche à l'entour d'un feu de camp sur la plage à Vancouver avec du monde que tu connais pas partout. Gros, je pourrais même pas vous dire le nom de ces gens-là parce que je pense qu'ils me l'ont dit. Je suis pas mal sûr que je m'en rappelle plus. Puis tu sais, juste avec des inconnus de même, puis le vibe était comme tellement smooth. Puis c'est fucké parce qu'autant que c'est la rue principale où il y avait des bars, c'est comme pas tout le monde qui avait l'air de vouloir avoir des interactions. Puis, plus que tu descendais vers la plage, sur le bord de l'eau, plus que... T'sais, tout le monde que j'ai croisé dans ce bout-là de la ville quand que j'étais buzzé, tout le monde était genre super gentil, puis voulait interagir, puis super easygoing que tu le croises dans la rue, puis hey man, what's up, là, juste une petite convo en marchant de 1 minute ou 2, puis je sais pas, man, le vibe était incroyable, man. Pis... c'était juste. Genre, autant c'était ça le plan. Que le plan, je voulais me rendre à English Bay, mais on s'est jamais rendu à English Bay. Là, à Sunset Beach, là, je me suis arrêté au feu, là, puis c'est ça qui est arrivé. On s'est jamais rendu jusqu'où ce qu'on était supposé d'aller, mais c'était juste gros. Tout s'est déroulé parfaitement pour moi. C'est une soirée absolument incroyable. Oh, mais une fois que j'étais rendu ici, dans mon lit, là j'allais bien. Ouais, là, t'es parti, puis moi, j'étais en paix, là, parce que là, je savais que t'étais correct. Puis lui, Faber, il disait, Chris, si je vais pas, je saurais pas qu'est-ce qui va se passer. J'étais comme, ben vas-y, mon gars, puis. Il est parti 2h30 après. Moi, j'ai semi-dormi, man. Puis c'était fucked up, là. Chris, oui, mon gars, c'était parfait, man. Puis esti, plus que je vais venir ici, plus je vais avoir le goût de déménager ici, les chums. Fait que j'ai l'impression que ça n'aura pas le choix de se passer un jour ou l'autre. Parce que ça se passe pas dans pas long, ça se passera sûrement jamais, mais gros. Je vais te dire que la première fois que je suis venu ici, je suis revenu chez nous en me disant, gros, faut que je vienne vivre ici. Man, j'étais encore au site en ce moment, puis je me dis à la même crise d'affaires, puis t'inquiète qu'à la seconde près que je vais revenir chez nous, je vais encercler la date du 7 décembre sur mon calendrier, parce que c'est genre le moment que je reviens ici, puis je vais littéralement juste vivre pour ça jusqu'au moment où je vais revenir, là. Même ça se passe pour moi, man, Vancouver, c'est de shit, le gros. C'est tellement, genre, puis comme Greg dit, si tu peux... Autant c'est beau, man, puis c'est propre, puis ça sent bon, man. Mais il y a un deep side. C'est récent avec Chris qu'il y a un côté lait à la ville, man. Ouais.
Mais Chris, tout ce monde-là, c'est ça que j'ai un peu réalisé sur le moche, parce que oui, je veux pas, quand j'étais allé chiller dans le centre-ville après qu'on soit revenu, c'est comme le monde qui sont des bars avec leurs amis, puis sont en gang, puis whatever. C'est pas trop genre le monde que je voulais genre mimiser dans leur gang. Hey, salut tout le monde, moi, je suis vraiment basé sur le moche, puis je m'en viens de chiller. Oh, fait que j'ai comme eu des contacts peut-être plus avec justement des itinéraires, du monde qui consommait, puis whatever. Puis, tu sais, gros, ils ont comme. Ils ont toute une histoire, cette calice de monde-là. Puis, comme Greg dit, tu sais, c'est fucké de penser que le dude, il a rien d'envie. C'est un itinérant. Lui, il est juste allé random à Sunset Beach pour se tirer nous deux puffs de crack. Probablement parce que ça ne tentait pas d'être dans le style bordel qui est la rue principale où, genre, il y a genre des shelters, puis du monde qui est, tu sais, gros, genre des gros problèmes d'itinérance puis de drogue, là. Puis le gars, man, il a rien d'envie, mais il était quand même prêt, genre, à aider Greg parce qu'il avait pas l'air de filer, man. Tu sais, ce monde-là, man, souvent on les juge, puis tout. Puis tu sais, gros, avec raison, là, ils sont en marge de la société. Ils sont pliés comme un portefeuille. Mais des fois, si tu prends la peine de ceux qui sont capables, parce que, gros, ici, honnêtement, je vais te dire, il y a du monde que, d'après moi, t'essaierais de communiquer avec eux, puis c'est comme c'est impossible. Ah, c'est impossible. Ils sont pas, c'est plus des êtres humains. Ils ont pogné le no turning back. Ouais, exactement. Tu peux pas. Mais le monde avec qui t'es capable de communiquer, tu te rends compte assez vite qu'ils ont genre, ils ont toute une histoire, puis il y a toutes des circonstances un peu fucked up qui les ont emmenés là, puis que c'est pas, man. Il y a certainement du lait, mais c'est pas tout du lait, man. Non. Je sais pas, man. Grosse crise de place. Je suis content d'être ici. Pas content de m'en revenir. Quand vous êtes en train d'écouter le podcast, on est en train de hop in dans l'avion, puis vous êtes en train d'écouter ça en ce moment live, dites-vous que je suis excessivement déplu. Puis en plus, on manque le football, tabarnak. Ouais, en plus, on manque le football. C'est la PG. Je travaille en revenant. Ah, ça, c'est calme. Ça, c'est... Puis le gros, on va se faire voler des heures de vie. Là, hey, les gars, on part à 1 heure. Les 3 heures qu'on a gagnées, là, en s'en venant, on s'en va se faire voler sur le système. On part à 1 heure, on fly pendant 4 heures, mais on arrive à 9 heures à Montréal. Faites le calcul. Ah ouais, puis gros, si l'avion n'est pas retardé, il faut quand même falloir que je me dépêche. Parce qu'à 9h, on va atterrir à Montréal, puis moi, il faut que je sois à Venise, en Québec, à 11h, puis il faut que je passe par chez nous, entre ça. Puis... En tout cas, man, la vraie vie va recommencer, puis ça fait calissement chier, les chums. Est-ce qu'on est bien ici, man, à pas avoir de soucis, puis gros. Tu sais, c'est comme jeudi, ça a été notre grosse journée, où ce qu'on a vraiment, tu sais, on est allé voir, tu sais, j'ai amené Greg à Stanley Park, on est allé à Granville, au Market de les Granville gars, Island. Les jambes sont molles. Donc, on est vraiment allé, on s'est promené, puis on a vu les affaires que... Si tu viens à Vancouver, c'est ça, faut que tu vois pour ta première fois. On les a mais vendredi, justement, le lendemain qu'on a fait le moche. Est-ce que qu'on a fait? On a fait absolument rien. On est allé souper au keg. On est allé magasiner, on est allé souper au keg, mais en dessous, on a. Ben, on est allé dormir, on a dormi, le gros. On a dormi sur Sunset Beach. Là. On est retourné, man, où qu'on était, mais là, à juin. Juste un peu fucked up. Puis on a dormi sur la plage, le gros fait quand. Lui ronflait les boys. Ah ouais, moi je ronfle quand je dors, même, mais je pense, en tout cas, on rentre pas là-dedans, mais moi, c'est de l'apnée du sommeil. Je pense peut-être que j'ai une tendance à ça et tout. Mais ça me tente pas de dormir avec un masque dans la face et le sleep-up. Oh, t'as l'air pas supprimé. Non, ben je suis quand même à un stade où c'est que. Genre, parce que l'apnée du sommeil, le problème, c'est que tu dors, mais tu relaxes pas parce que ton cœur il arrête pas d'arrêter. Non, mais c'est parce que t'oublies de respirer, man. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ton sommeil n'est pas récupérateur, non, mais en ce moment, mon sommeil est encore récupérateur, man. Mais les chums, je ne veux pas faire une transition plate avec le sommeil et la mort, là, mais il faut malheureusement prendre un peu de temps pour parler de la mort d'Elias Theodorou, man, qui est vraiment, genre, vraiment plate, man. Honnêtement, on a perdu beaucoup de monde cette année. Trop jeune, là, même, tu sais, quand tu penses à Sylvain Moroney, c'était quelqu'un qui il avait pas l'âge d'Elias, il était plus vieux, mais Big, il était pas, c'est pas un monsieur de 70 ans ni rien, là, il était dans la cinquantaine, Chris, il restait plein de belles années à vivre, même chose pour, Master Peter, peut-être un peu plus vieux encore, mais encore quelqu'un qui avait des belles années à vivre s'il se retrouvait pas avec le cancer, man, puis malheureusement, Elias, d'un, c'est extrêmement triste, puis de deux, c'est un méga choc pour tout le monde parce qu'il n'en a pas parlé à presque personne. C'est arrivé comme une claque. Il était encore. Tu sais, oui, il ne postait plus de photos puis de stories vraiment. De photos de lui, en fait. Ouais. Tu sais, ses médias sociaux, mais il est encore actif des comment sections, des pages de memes sur Twitter. Ouais. Puis du jour au lendemain, tu apprends juste genre. Il est mort, man. Fait, genre, Chris, what the fuck, il me semble que je l'ai vu.
qu'est-ce qui est arrivé. Puis après, tu apprends qu'il y avait comme le cancer du c'est colon cancer. Ouais, fait que colon, l'intestin. Il y avait un cancer de l'intestin, stage 4. École, stage 4. Puis c'est ça, malheureusement, wow. Chris, il était trop avancé, il n'a pas pu s'en sortir, mais c'est un... fucked up, ça. De un, c'est un gars qui, dans les années post-GSP et compagnie, ça a été un des gros visages du MMA canadien de par son apparition sur TOF, puis le fait qu'il a gagné, puis il a eu beaucoup de combats dans l'UFC, il s'est rendu dans le top 15 de sa division, puis oui, c'était un peu un meme quand il était dans l'UFC à cause de son style de combat qui est vraiment à la fois peu orthodoxe, puis tu sais, un peu, on va s'entendre. Ben, t'as du style, je pense qu'il y en a pas, là. Ouais, ben c'est ça, son style, peu, c'est qu'il avait pas l'air de savoir ce qui colissait, mais pourtant, il savait assez ce qui colissait pour que ça marche, puis pour qu'il batte la majorité du monde, tu sais. Puis, tu sais, c'était juste tellement, je pense, en dehors de la cage, puis surtout ça, le plus important. Ce gars-là, il était incroyable, les chums. Moi, personnellement, je le connais, je l'ai déjà reçu sur mon podcast, en personne, on était au gym à Saint-Jean, puis c'est... dans le temps que tous les pros faisaient des sparring à Saint-Jean, quand Pat Côté puis Steve Bossé il était encore actif. Elias, il s'entraînait à part-time au TriStar. Puis c'était un ami de Julien Leblanc aussi. Puis lui, il amenait toujours Aaron Jeffrey avec lui. Puis les deux, ils venaient faire les sparring. Parce que Julien descendait. Puis parce qu'il avait besoin du plus de monde possible pour faire les sparring pro au gym à Saint-Jean. Fait qu'il venait tout le temps, puis gros, ce gars-là, il était incroyable. Ouais. Genre, super easygoing, le gars le plus facile d'approche. Tu parles, il va te faire des jokes, il va rire. Toujours d'âme de fumer un hostie de gros pétard ben avant, après, pendant le training. C'est encore lisse, ben raide. Tu sais, juste agréable, easygoing, puis le fun comme gars. Que tu sais, des fois, tu te dis, ah, il y a un gars de l'UFC, un fighter, est-ce qu'il va être facile d'approche? T'sais, c'est pas tout le monde qui est facile d'approche, même moi, des fois, des entrevues, des fois, il y a des gars, j'ai de la misère à les faire parler ou whatever. Lui, man, juste une personnalité incroyable, quelqu'un que j'ai pas vu une personne. C'est sûr que quand quelqu'un meurt, c'est rare que le monde sorte tout le monde pour dire « Ah non, fuck lui, c'est un hostie de cave! » Mais c'est sûr que j'ai pas vu personne dire rien de négatif sur Elias. Tout le monde a que des stories positives, que des souvenirs où Elias les a fait rire parce que c'était juste genre une personne souriante et enjouée qui prenait pas la vie au sérieux, panteux, il était toujours là à faire des jokes, puis à essayer de détendre l'atmosphère, puis quand même un hostie d'animal en training et tout, tu sais, genre le training partner qui va t'en faire suer que le Saint-Tabarnak, mais juste un gars agréable, le fun, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a présenté Aaron Jeffrey, que comme je vous ai dit à plusieurs reprises sur le podcast, c'est quelqu'un pour, c'est un des fighters canadiens pour qui j'ai comme beaucoup d'affection, là, pour une raison ou une autre. Fait que, bro, si, rest in peace, c'est là, Elias, man, c'est vraiment... C'est le choc, man. C'est le choc. C'est ça, c'est le choc. Il n'avait pas dit à personne, on le savait pas, man. Puis là, genre, du jour au lendemain, il est juste mort, man. Là, même, c'est fucked up, là. Ouais, sinon, c'est une sad news. C'est pas nice. Toi, c'est quoi ton... Je sais, tu le connaissais pas, ni rien, mais c'est quoi tes... T'as-tu des memories de... C'est juste son style. Je sais qu'il... C'est un grand défendeur du weed aussi pour la cause, pour le weed. Fait que ça, man, je suis tout le temps en faveur de ça. J'applaudis ça. Je me rappelle, c'était le gars aussi qui allait faire les ring boy, là, dans le fond. Il faisait le ring boy et tout. C'est un good looking man. Mais non, c'est. J'ai rien de spécifique, mais je trouve ça plate. Il a déjà été dans le top 15 mondial. Puis non, man, gros, c'est juste le choc, là. Non, définitivement. Quand tu parles du weed, c'est vrai que c'est un combat qui menait parce que lui, tout, il avait, je me rappelle, je sais pas trop c'est quoi sa condition qu'il avait, mais il avait comme. Ça, depuis longtemps, il avait besoin de weed médical pour pouvoir avoir une qualité de vie qui avait de l'allure. Puis honnêtement, le gros, il s'était. Moi, je. Tu sais, je veux pas. Je sais pas si c'est conspiracy de dire ça. Moi, je pense que non, mais je veux pas. Sortir mon side conspiration, là. Commence-moi pas, rien, mon petit complotiste. Mais, je pense que le weed, c'est une grosse raison de pourquoi il était cut de l'UFC. Ah, oh, ouais? Ouais, parce que... Star. Parce que, oui, mais dans c'est le... Après, Star, c'est après. Mais c'est ça, c'est un peu par après. Tu sais, dans le temps que lui, il poussait pour ça, c'était les deux seules places où c'était légal, c'était Colorado puis Washington. Puis, c'est Californie un peu plus tard, mais...
c'était pas encore, tu sais, généralisé que le weed c'était toléré. Puis même si c'est légal, les commissions athlétiques, il y en a qui, tu sais, Vegas, ils suspendent encore du monde pour ça des fois, là. Fait que... Tous les gars fument, man. Le fait que lui était vraiment vocal, puis il était là, non, si moi, je veux pas me cacher puis boire des petits jus pour clearer le THC de bon sens. Je veux juste aussi que vous reconnaissez que j'ai une issue médicale qui fait que j'ai besoin de ça. Puis Chris, vous avez prescrit de la sauce à du monde, genre, sous prétexte que c'était médical puis il en avait besoin. Mais moi, puis vous avez accepté ces exemptions médicales-là. Mais moi, mon exemption médicale pour le weed, vous n'allez pas me la donner. Puis tu sais, il poussait puis il voulait vraiment créer genre, un genre de mouvement pour faire changer ça. Puis il était prêt, il était prêt à aller en cours là, contre les commissions pour avoir ces, une injonction ou whatever qui allait le permettre d'avoir son exemption thérapeutique. Puis, tu sais, je pense que le fait qu'il était outspoken là-dessus, combiné au fait, c'est sûr que Chris, c'était le gars le plus outspoken du monde. Mais quand t'arrives dans le cash, c'est un assis d'action fighter qui est des knock-outs, puis tu sais, à tout coup. Puis malheureusement, pour lui, c'était pas le cas. Fait qu'il y avait la combinaison du style de combat peut-être qui était pas le plus intéressant et du fait d'être vocal sur un issue que je pense que l'UFC le voyait comme plus pour un, comme un problème potentiel qu'un asset. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'ils l'ont laissé partir, malheureusement. Même. Ouais, c'est sûr, quand t'as essayé de partir d'un coup dans l'UFC, là, tu te fais ramasser, c'est pas trop long. Non, c'est, ce sont pas full mouvement social, ces gens-là. Comme on peut voir, l'UFC, c'est plus... plus à droite un peu, là, leur mentalité. Mais avant qu'on passe à l'UFC pour aux performances de Barrio et tout, le gros, là. Je veux juste. T'es-tu buzzé? Ouais, je suis buzzé, puis dans pas. Ah, gros, je crois que j'en ai plus. Vas-y, il n'y a pas de stress, t'as le droit d'y aller. Alors, mais je vais aborder un autre thème, les chums, qui est vraiment surprenant pour moi. Je vais vous le cacher, je ne vous le cacherai pas, je dois vous le cacher. Ben oui, Faber. Je vous le cacherai pas. C'est surprenant pour moi parce que Dana White, dans le temps, principalement pendant les années de Georges St-Pierre, les années d'Anderson Silva, quand c'est les deux plus gros draws dans la compagnie, John Jones, c'était pas nécessairement encore là ni rien. Chris qui se gênait pas pour les blaster sur la place publique. Autant Georges qu'Anderson Silva, tu sais, quand Silva a fait ses combats vraiment plates ou Georges. Quand il leur a donné du trouble un peu au niveau négociation, des affaires. Puis, tu sais, Dana, il avait vraiment pas peur de sortir publiquement, d'être vocal, de même les envoyer chier des fois, là, straight up. Puis, moi, j'étais bel et bien prêt à voir ce Dana White-là sortir pour shit sur Hamzat Chimaev, parce qu'honnêtement, je pense qu'il mérite un peu, là, après tout ce qu'il a fait la semaine passée. Puis, Chris, cette semaine, avec la conférence de presse d'après-combat la semaine passée, plus au Contender Series cette semaine, que quelqu'un qui a demandé, tu sais, est-ce que tu considères que Hamzat a eu une mauvaise semaine? Puis gros, Dana, qui c'est complètement out of character, c'est d'habitude, c'est le premier à shit sur un gars, même si c'est une grosse star ou whatever, puis gros, refuse même de dire que Hamzat a eu une mauvaise semaine. Genre, refuse de shit sur le gars, puis Chris, je sais pas si t'as une explication à ça, Greg, mais je comprends pas, parce que dans le temps, Chris, il a traité John Jones et son coach de sport killer dans le temps que c'était sa plus grosse star. Ouais. Combien de fois il a chié sur Anderson, sur George, assis sur Brock Lesnar, man, quand il était malade. Ben, mais... il y a deux raisons, je pense. Deux raisons. Ben, les deux raisons que je vois, c'est premièrement, il commence à se détacher tranquillement de sa job. Il y a moins de... tu vois que... Ben, je trouve qu'il s'éloigne tranquillement, pas vite. Ouais, il s'en calisse un peu plus. On en parle souvent. Puis deuxièmement, gros, tu sais, Hamzat Chimaev, c'est la prochaine vache à lait. Puis dans le temps qu'il chutait ses gars, il y avait pas mal de stars. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a moins de stars. Fait que s'il chute trop sur Chimaev, puis genre, il fait parler un petit peu son étoile, ben, tu manques peut-être le potentiel de faire du gros cob avec un gars qui va être un star, peu importe si c'est un heel ou un kayfabe, parce que t'en as pas tant d'autres présentement dans l'UFC. Je pense que c'est les deux raisons possibles. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais le gros... Mais c'est bizarre. On s'entend que c'est 100% de leur faute s'il n'y a pas de nouvelle star. Ouais, ben ils veulent plus quand même. C'est ça. C'est comme les gens, je vais pas shit sur lui. Je vais pas shit sur lui parce que c'est ma prochaine star, mais d'un autre côté... Je veux qu'il soit ma prochaine star parce que je manque de star, mais c'est de ma faute si je manque de star
parce que je pousse. L'UFC ne pousse plus des gars comme avant. Non. Avant, ils essayaient de faire des stars avec des Sage Northcott, des Paige Van Zandt. Puis souvent, leur problème, c'est qu'ils choisissaient juste pas la bonne personne. Tu prends pas de. Mais là, c'est comme si, comme tu as dit, ils en veulent plus des stars, ils en veulent plus un Connor qui va être obligé de Chris parce que là, payé, Connor, demain matin, man, s'il y a bien un gars qui peut genre juste briser son combat, son contrat de l'UFC et aller boxer, même si l'UFC dit non, puis faire une co-promotion avec la nouvelle promotion à Nate Diaz dans un match de boxe, puis que l'UFC peuvent l'amener en cours, Connor, il a l'argent pour payer les avocats, puis ils vont voir que si tu amènes les contrats de travail devant un juge. Qui est spécialisé en conditions de travail puis whatever, ça se peut que l'UFC sorte de là en se faisant dire « Ah oui, t'avais raison, mais si le fait que t'as raison fait que c'est pas un employé, c'est pas un contracteur indépendant, ce gars-là, c'est un employé. » Puis ça, le gros, c'est là que ça ouvre le rabbit hole pour le Alley Act ou toutes ces affaires-là qu'on s'entend que l'UFC, c'est la seule raison pourquoi les combattants, c'est des contracteurs individuels, même s'ils sont forcés de porter un uniforme puis tout, c'est parce que si c'est des employés, sont soumis au Alley Act, qui fait qu'il faudrait que ça soit comme à la boxe, une fédération indépendante qui organise les rankings puis qui mandate les title shots puis whatever, bon, ça attaque l'UFC, Chris. Ils veulent pas ça, même pas pour rien qu'ils ont attendu 7 ans avant de donner un title shot à Leon Edwards. Ils voulaient ce qui arrive là, ils voulaient pas que ça arrive là. Ben, c'est clair, tu sais. Fait qu'en tout cas, man, je trouve juste que l'UFC, plus que le temps avance, puis plus que le revenu, tu sais, on s'entend, le revenu sont garantis. Là. Ah, ça roule, ils peuvent ne pas vendre aucun crise de pay-per-view de l'année, puis ils vont faire de l'argent pareil juste parce qu'ils font 12 pay-per-view. Mais, genre, plus que leurs revenus sont garantis, je trouve plus que leur modèle d'affaires est fucked up, man. Ah, c'est des entertaining shows à Star. Moins que du classification, là, genre du compétitif. Gros, ils veulent des shit shows, là. Non, le reste, même pas ça. Ben ouais, mais c'est un bon shit show, ça. Tabarnak, man. Ouais. Toute la semaine a été un shit show, mais gros, ça a fait jaser, puis ça a tout vendu, puis ça a tout pété, puis ça a 34e arena d'affilée qui est full house, man. Puis tu sais. Mais ça, le gros, encore, ça, là, moi, j'ai de la misère avec ça un peu. Parce que 34e qui full house, mais tous les billets n'étaient pas vendus la veille. Là. Où ça? À Vegas, le dernier pay-per-view. Oh, ouais, puis, non seulement ça, mais la raison pourquoi ils ont ajouté le combat de Tony et qu'ils ont ajouté Kevin Holland dans un catchweight à la dernière minute, c'est parce qu'ils ne vendaient pas de billets pour cet événement-là. Ouais. Parce que le monde, leur main event de Diaz Chimaev, tout le monde voyait clair dans le jeu. Puis était là, je ne paierais pas hostie 500$ pour être cage side d'un pay-per-view. Que c'est tous des combats de merde qu'on s'en calisse, puis un main event qui est littéralement une punition contre un fighter que tout le monde aime, puis personne veut voir. Dans le fond, le brawl en arrière, ça a été un blessing. Gros, ça a été un tabarnak de blessing, parce que yo, ça l'a augmenté les sales, le fait que Nate s'est battu contre Tony, ça a fait que le monde était plus hype, parce que ça sera pas un bon combat, mais au moins ça va être un combat fair. Ouais. Puis je pense que ça a beaucoup aidé, parce que je suis pas sûr qu'il allait le sell out celui-là, parce que. Si tu checkais les ticket sales. On sait-tu combien ça a vendu de pay-per-view? Gros, on le sait pas, on le sait plus vraiment. Ça fait chier, moi. On le sait plus vraiment. C'est juste sur ESPN Plus parce qu'il n'y a pas les manières de tracker comme sur pay-per-view régulier. Puis ESPN Plus, man, quand il y en a un qui va à côté, ils sont bien contents de dire le résultat, mais. Ouais, sinon, ils n'en parlent pas. T'sais, ça, c'est ça. Quand Connor, Khabib, genre, ou les big sellers. Yup, fait que, écoute, on avait l'UFC Vegas 60, les chums, cette semaine. Énorme carte, Asti. Énorme carte. Mais, rassurez-vous, parce que si vous pensez que ça, c'était de la merde, mon gars, vous n'avez pas vu les prochaines cartes de l'UFC, les chums. My God. C'est gros. On revient à l'époque des Aspen Ladd contre whoever, puis des Norma Dumont, puis des Strickland contre Hermanson. Le gros, on revient à ça parce que les prochains main events, c'était de la merde. Puis cette carte-là, c'était sublime à côté des cartes qui s'en viennent. Mais au final, si c'était pas la meilleure événement du monde. Puis il y avait trois Canadiens en action. Le premier de qui on va parler, c'est le boy Marc-André Barrio, évidemment. Gros Chris.
Ça a vraiment pas bien été, je pense. Pour ouais, mais il a l'air d'avoir, de s'avoir blessé les côtes assez de bonheur au premier round. C'est ça que si Foupat semblait dire sur Facebook. Là, fait que, écoutez, man, si y a des côtes fellow de quoi, là, respirer, c'est le pire feeling ever. Ouais, donc t'as l'impression que tu te fais poignarder par ton propre, peut-être par toi-même, là, à chaque fois que tu respires. Fait que... D'avoir quasiment réussi à faire les trois rounds, chapeau, man, heads up. Mais gros, il n'y a pas eu un double qui a un asti potentiel. Un puis... autre qui était à la fois plus rapide que lui et qui avait l'air de frapper plus fort que lui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il touchait plus clean. Il y a une couple de fois que Barrio a l'un des clean. Mais clairement, beaucoup de ses shots étaient télégraphiés. Puis je pense qu'est-ce que. Tu sais, oui, je pense que l'un des gros facteurs dans ce. Je ne dis pas que Barrio aurait gagné si ce n'était pas fait mal à la côte. Parce qu'honnêtement, de la manière que Hernandez est sorti et tout, mon gars, c'était pas un bon style match-up. Mais je pense que. Ce qui a découragé Barrio un peu plus, puis qui a mené à des takedowns de plus en plus faciles, c'est à quel point, quand ils se sont engagés dans le clinch, Barrio gagnait pas nécessairement ces échanges-là. Ça, c'est son spot. Puis d'habitude, c'est son spot qui peut être safe, puis juste être low, puis être une grosse brute sur son adversaire, puis lancer ses gros uppercuts, puis tout. Puis, mon gars, non seulement ça avait pas l'air de faire mal à Hernandez, mais il répondait avec des coups de coude. Il a tout fendu à la tête avec des coudes, man. Le slam, ça en noie, man. Puis à partir de là, il landait ses gros takedowns. Beaucoup de contrôle au sol. Ça, c'est évident que... Tu, on le disait un peu sur le live, man. Malheureusement, c'est peut-être une trend, là, un peu des fighters canadiens qu'on voit avec Charles. Quand ses combats, ça va moins bien. Malheureusement, c'est parce que son adversaire réussit à rendre des takedowns pour rendre ça, tu sais, plus en sa faveur. Là, on voit encore ça avec Barrio, qui malheureusement pour lui se fait. En plus de probablement se faire outstrike dans ce combat-là, c'est genre sévèrement out-wrestle, puis il se fait complètement sleep à la fin avec un. Ça n'a pas bien été, là. Un arm triangle que c'était très bon parce que Hernandez, il le contrôlait. Puis à un moment donné, il a laissé du lousse, mais d'un côté, en sachant que Barrio, il a essayé de se tourner comme ça pour revenir sur ses genoux pour essayer de se relever, tu sais, se sortir de la position. Il a comme donné l'ouverture, man. Mais quand il y a un bon gars de joue qui te donne une ouverture, c'est une trap. Toi, en tant qu'autre bon gars de joue, tu devrais te demander pourquoi? Chris, il me laisse aller par là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aille par là? Puis la réponse, c'est très souvent oui. Mais Barrio, tu sais, il avait mal à la côte, il était dans le pétrin et tout. Puis ça se passe vite. Il a vu l'ouverture, il l'a pris, ça s'est vite passé. Puis le gars, mon gars, c'était ça. Barrio, il s'est tighté lui-même dans l'arm triangle. Le gars, la trap a marché, esti. Comme par magie, puis honnêtement, solide crise de performance de Anthony Hernandez. T'sais, autant c'était pas le meilleur combat de Barrio, je pense qu'il faut donner la majorité des props à son adversaire ici. Le gars était plus rapide, il était plus puissant, puis il y avait un avantage de grappling dans ce combat-là. Fait que les chums, c'était magnifique, man, pour Anthony, c'était plate pour Barrio. C'est jamais nice. He's gonna be back, mon gars, il s'est endormi sur le choke, malheureusement, pour lui. Ça monte encore son esti de toughness, tu sais, sa tête dure comme le ciment, là, Barrio, de gars qui, Chris, mon gars, ne veut jamais, genre, abandonner ni rien, là, ça le prouve encore en ne tapant pas. Mais, it's been a tough one, man. Puis juste après ça, Tanner Bowser était de retour après un petit moment, affrontait Rodrigo Nascimento. Il y avait comme 40 quelques livres de différence entre les deux gars. Bowser, man. Qu'est-ce que. Bowser est arrivé à 2,29, l'autre pesait 2,61. Et puis, c'était Kleinet. Encore le cas où, genre, honnêtement, je pense que Bowser lendait le plus de strikes, mais l'autre était plus puissant quand il touchait. Puis l'autre, il savait clairement que s'il amenait ce combat-là au sol, il allait pouvoir lean on Bowser beaucoup. Puis, tu sais, oui, il était pas super actif au sol, puis il s'est même fait stand-up par l'arbitre à une couple de reprises. Mais Chris, il a landé les shots les plus puissantes. Puis, Bowser a réussi à lander une couple de shots assez slick qui l'ont sonné et c'était là. Fait que le gars, il a revert à son grappling, puis il est allé gagner la split decision. Honnêtement, je pense que le combat était assez clair là, en faveur de Nascimento. Ouais. 30-27. Mais ouais, non, si tu écoutes, je sais pas si t'as de quoi à dire vraiment. Là. Non. Plus ou moins. Non, c'est. Il y avait aucun doute dans ma tête, c'est qu'il gagnait ce combat, malheureusement. Puis, ça nous mène à l'autre Canadienne qui était sur la carte. On veut parler d'autres Canadiens et tout, là.
dans pas long, mais il y a Julian Robertson, Chris, qui a sauvé l'honneur du Canada avec un win sur UFC Junkie, man, Maria Agapova, qui est à la fois capable du meilleur comme du pire dans ses combats. Puis tout ça a l'air que quand ça va au sol, c'est peut-être là qu'elle est capable du pire. Ouais. Puis elle s'est fait pogner dans un rear naked choke, pas de hook, elle l'a combattu vraiment très longtemps. Puis un moment donné, gros, elle a juste dormi elle avec. Là. C'était comme rendu impossible. Fait que... ouais. Grosse, honnêtement, grosse performance pour Julian Robertson. Je vais juste checker sur le topologie pour être sûr, mais il me semble qu'elle n'était pas dans une bonne streak trop, Julian. Non, là. Elle était sur le bord de se faire cut. D'après moi, elle a peut-être sauvé sa job à soirée. Ouais, elle avait battu Cachoeira, mais elle a perdu contre Aldrich, Maverick et Taylor Santos. Ouais. Fait qu'elle était 1-3 à ses 4 derniers. Fait que là, elle est 2 victoires d'affilée. Non, là, elle vient de gagner, mais elle était 1-3 avant ça à ses 4 derniers. Fait que, ouais. Tu sais, elle se ramène proche de 500. Ouais. Je pense, comme tu dis, elle sauve probablement sa job là, ce soir. Dans ce... elle va signer un contrat de 3 fights. Si elle a fini. Ouais, je pense pas que son contrat est fini. Je sais pas, il faudrait que je fasse le calcul. Okay. Mais... ouais, ça, c'est nos performances canadiennes. Comme j'ai dit, je veux parler d'autres Canadiens qui se sont battus. Mais avant, on va juste faire un petit résumé rapide de la carte. Corey Sandhagen, Song Yadong. Honnêtement, je trouve ça un peu plate de la manière que ça a fini parce que le docteur, il a pas arrêté le combat à toutes les crises de ronde. Puis il arrête ça finalement après le dernier round. Dans ma tête, Song Yadong vient d'avoir un assez bon round. Puis c'est comme... j'ai l'impression que c'est peut-être Sandhagen qui a le momentum en général. Ouais. Mais c'est peut-être 2-2, ce style de combat-là. Ah, c'est 3-1 ou 2-2, là, mais tu sais, c'est 2. Ben, anyway, ça fait chier là, que tu décides d'arrêter ça. Si tu l'as pas arrêté après le 3e, là, entre le 3 et le 4, tu l'arrêtes pas entre le 4 et le 5. Là. Ouais, c'est ça, la coupeur était horrible. Là. On va se le dire, la coupeur était horrible. Ouais. Mais, Big, elle était pas pire entre le 4 et le 5 qu'entre le 3 et le 4. Puis même qu'entre le 2 et le 3. Non, gros, c'était... fait que tu sais, c'est comme, soit t'arrêtes ça quand tu vois la cote, tu dis, non, ça le fait pas. Ou soit tu l'arrêtes pas, puis tu laisses le gars qui vient probablement de gagner le round, si fighter son dernier round du combat, tu sais. Fait que dénouement un peu plate, c'est sûr, je suis content pour mon boy Corey Sandhagen qui get un win. Ça mais Chris challenge vraiment plus ardu qu'on pensait, mm-hmm. Man. Props à... Yadong. Probs à Song Yadong qui était là. On le sait qu'il frappe fort et qu'il est capable de faire mal à n'importe qui. Puis juste ça, ça va le rendre compétitif contre n'importe qui. Mais ouais, gros, il était là. Puis il landait des takedowns, défendu des takedowns, s'est fait takedown, mais s'est relevé. Belle performance complète pareil du chinois, man. Ouais. Puis Chris Dalcomain. Oh my god, parle-moi de Cooper à soir, man. Ouais, c'est ça, Dalcomain, un autre astide. Peu qu'il n'y a pas d'allure. Grégory de Rodriguez qui traite dans le bridge of the nose ici en haut, puis t'as littéralement le haut de sa face qui essaie d'aller par en haut, puis le bas de sa face qui. Puis ça, c'est direct dans le milieu, puis c'est comme quand il parle, sa coupeur parle aussi. Là. C'était spécial. C'était assez bad, mais ça, le docteur ne l'a pas arrêté. Non, non, tu what the fuck, le gros. Gros, lui puis Chidi se sont livrés un absolu tabarnak de slugfest, mon gars, là. T'es-tu diverti? Ou... oh, excuse-moi, ça, c'est mon TDAH. On était à côté de l'hôpital, on a entendu des ambulances. Des overdoses, ça passe en esti, ça. Ouais, mais non, c'est ça. Crise de slugfest de malade. Que... ce qui m'a impressionné, c'est que Chidi a clairement fait très mal à Rodriguez à quelques reprises. Mais Rodriguez, quand il se faisait faire très mal, son réflexe instantané, c'était genre, je vais swing back. Puis c'est souvent là qu'il réussissait à faire plus mal à Chidi. Que Chidi venait d'y faire mal. Puis mon mais reculait un peu, genre, puis counter après. Ouais, puis. C'est comme intelligent. Je le disais à Greg puis à Josh, Chidi, c'est le gars que si après le premier round, il voit qu'il n'est pas capable de sortir son adversaire de là, des fois, il y a comme une petite baisse dans sa confiance, puis ça écoute le faire. Il a abandonné. C'est ça qui est arrivé, mon gars. Il s'est retrouvé dans une mauvaise position au sol, puis Rodriguez a juste commencé le ground and pound, puis. Tu sais, c'est pas comme s'il était en crucifix ni rien, il était dans une bonne position, mais. Chidi, il n'était pas échec et mat. Là. Il a eu le moyen d'essayer de bouger un peu. Puis il a vraiment quit vite sur lui-même. Là. Ouais. Genre, honnêtement, là, très rapidement, tu l'as vu qu'il était prêt à plier bagage puis à s'en aller de là. Sinon, Philly et Aljo, bon petit slugfest. De 15 minutes, encore un combo. Il y a eu du sang, man. Ça allait échanger, ça s'est droppé back ça and avec. Forth. Bon petit fight. Toute la main card était pas pire quand je pense, parce que Joe Pyfer a vraiment pas niaisé contre Alan Amadovski.
Tu l'as bien gelé, les chums. L'arbitre, il était loin un peu du dos, man. Puis ça a coûté un deuxième coup de poing dans le dos, man. Oh boy. Définitivement. Puis honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur aucun autre combat. Sauf un qui est un des upsets de l'année, selon moi. Je niaise même pas. On parle de qui? Damon Jackson. Ah ouais, mais what the fuck? Qui, après avoir perdu son frère cette semaine, est sorti comme un démolisseur de tous les instants, en mounté Pat Sabatini. Tu l'as complètement pété, mon gars. Genre, de façon à ce que... Genre, on s'entend que le monde s'attendait à l'inverse de ça. Exactement. Tu sais, Sabatini était grandement favori. C'est un gars qu'on est là, ça va être ranké un jour, puis tout. Puis mon gars... Quel upset de Jackson qui sort là comme un malade, puis qui est clairement le moins athlétique des deux, qui est clairement, tu sais, il n'y a pas le côté naturel qu'un Sabatini a, puis go, il l'a juste complètement passé au premier round, man. Méga calice de surprise, man. Ouais, Damon Jackson, il a fait qu'est-ce qu'on pensait que Sabatini allait lui faire. C'est juste les rounds. Les rôles ont été inversés, man. C'était... Puis de la façon que ça a été fait, puis dans le temps que ça a été fait, c'était un what the fuck moment. Définitivement, man. Puis avant qu'on se laisse, les gars, pour une édition qui va être un peu écoutée là, du podcast, puisqu'on est en vacances, c'est notre dernière soirée. Puis on a fait. On va s'en profiter, puis aller manger, puis tout. Rapidement, trois Canadiens en action en dehors de l'UFC. On va commencer avec le LFA, dans le combat qu'on n'a pas vu. Ouais. Devin Lozay. Un gars de Thunder Bay en Ontario, les chums, c'est que c'est loin ça, mais Chris. Travaille fort, man, avait perdu son premier combat pro au BTC. C'était contre Albara Atme, mais ça avait été une guerre, puis il avait donné vraiment de la full bonne opposition à Albara, que tu sais, on le sait que c'est un bon fighter. Ouais. Puis là, depuis, il est allé se battre aux États-Unis. Il a gagné dans une autre promotion, puis là, hier, il a fait ses débuts à vendredi, c'est-à-dire, il a fait ses débuts à LFA. Et puis Chris a gagné par décision unanime. Shout out à lui. Puis dans le main event, pour la belt, Ashley Nichols, qui affronterait Jacqueline Amorim. Puis oui, c'est une fille de Niagara Top Team, Ashley Nichols, mais c'est une fighter de Muay Thai. Ouais. On le sait pourquoi elle est allée à Niagara Top Team. Ouais. C'est parce que c'est pas une excellente grappler en général. C'est là-dessus qu'il faut qu'elle travaille le plus dans sa game. Puis, malheureusement. Ça a comme paru, malheureusement. C'est fait armbar au premier round par. Ouais, c'est la grappleuse brésilienne. Ouais, puis l'autre, la brésilienne. Là, qui est genre invaincue puis qui s'en va absolument à l'UFC. C'est une tueuse, elle arrache des bras. Yes, puis finalement, man, le rematch le plus attendu de l'histoire de UAE Warriors, man, si t'écoutais les commentateurs, Jesse Arnett, Ali Al-Kaissi. Jesse l'avait battu dans le premier combat. Moi, c'est mon boy, Jesse Arnett, mais il faut que je colle les affaires comme c'est. C'est un peu sketch. C'est un peu flouki de la manière que le TKO pis tout. Oui, il a gagné à ce moment-là. C'est tout ça avec la belt, mais gros. Il dominait pas cette fight. Il gagnait pas ce combat-là. Il a cut le gars. C'est peut-être un peu un early stoppage même. Tu sais, le gros, c'était weird. Fait qu'ils ont fait le rematch automatique. Jesse a pris 10 minutes pour faire son entrée. C'était le heel dans la place parce que c'est évidemment c'était à Abu Dhabi où ils sont très pro combattants arabes ou musulmans en général, puis Ali Al-Kaissi, c'est un gars du coin. Ça sonne pas full. Et évidemment, il prenait pour lui, puis Chris, mon gars. Ça a pas bien été. Pas bien été pour Jesse, man. Il est dormi au deuxième ou au troisième. Il s'est fait dropper une couple de reprises, s'est fait passer une petite guillotine dégueulasse. Fini en s'est fait complètement sleep, puis que. Après, ça a été fait sleep. Al-Kaissi a réussi à pousser sa guillotine plus loin, puis il l'a fermé. Il avait encore la guillotine, mais il a fermé bicep grip. Mais on s'est rendu compte au replay que Big Jesse dormait déjà plus genre une seconde ou deux. Puis l'autre lâchait pas non plus. C'est ça, puis l'arbitre qui prend le temps avant de s'en rendre compte qu'il dort. Fait que Jesse qui dort pendant 3-4 secondes dans le choke. Il y a rien en se réveillant, il comprenait pas. Là. Il comprend rien. Encore un peu de bagarre entre les corners. Puis tout, ça se poussait. Ça... C'est pas clean. C'était pas clean. Non, fait que Chris, man, honnêtement, deux fins de semaine, mon Greg, pour les Canadiens dans le monde du MMA. Ouais, Julian Robertson qui est allé me chercher une maigre victoire, man. Puis Devin qui a bien fait, mais tu sais, dans les combats les plus majeurs qui étaient sur les main cards des events, puis whatever, Chris, ça a pas super bien été pour le Canada, man. Let's go. Fait, Chris, merci d'avoir été là, les chums.
Conclusion, le podcast le plus énergique de l'histoire de Greg, man. Ah, yes, ouais, c'est ça. Mais je te filme parce que tout quand j'ai mangé le jujube tout à l'heure. Je suis rendu à 3. Puis Faber, il a été pété à 1, j'étais à 3. Là. Ouais, quand 1 avait embarqué, j'avais quasiment pas mangé. Il y a comme un 20 minutes que j'étais genre, ah, ben, je suis genre trop défoncé pour vivre. Mais là, quand Josh est arrivé, heureusement, j'ai comme fallu je me mette à parler, puis ça s'est mis à juste mettre mieux buzzé. On s'en va détruire le barbecue coréen. Ben ouais, on s'en va au Korean barbecue, profiter de notre dernière soirée à Vancouver. Fait que merci d'avoir été là, les chums. On se revoit prochainement pour whatever the fuck ce qu'on va faire. Là. Pas de UFC là, fait, la semaine prochaine, mais il y a bien du MMA canadien. Fait que le podcast va être chill. Let's pareil. Go! Bien oui, on le sait, le gros, que quand il se passe, il n'y a pas de UFC pendant une semaine. Il arrive tout le temps, genre, une des nouvelles les plus fucked up de l'histoire. Ouais, là, Connor, John Jones sont dus pour faire de quoi, là? Ouais, c'est ça. Il va arriver de quoi cette semaine, les chums? Fait que restez à l'affût, si on le sent, on feel it in the air tonight, man. Ouais. Merci d'avoir été là. Ciao. Podcast, c'est le hype podcast.